en avant, il faut foncer droit au but. Demi-temps et 90 minutes, c'est assez pour rassembler nos espoirs et pour forcer la victoire. La victoire, quand on a le ballon au bout du pied, quand on a trouvé le bon équipier, une passe, un crochet et on a marqué. Olive et Tam, ils sont toujours en forme. Tam, Olivier, sont super entraînés. Tam, Olivier, ils sont venus pour gagner. Olive et Tam, ils sont toujours en forme. Tam, Olivier, sont super entraînés. Tam, Olivier, ils sont venus pour gagner. Car il faut battre le gong. Olive et Tam, ils sont toujours en forme. Tam, Olivier, sont super entraînés. Olive et Tam, ils sont venus pour gagner. S'ils croient qu'ils me font peur, je vais les déborder tous les quatre. Johnny! Vas-y, passe-moi la balle! Attends, après cette libérée du marquage, des vrais de fonds en direction des 18 mètres! À toi de jouer! Zut! Il faut que je fasse une reprise de volée! Si je prends le temps de la contrôler, ils vont tous me tomber dessus. Foncez! Mais ça n'a réussi, une passe magnifique à l'intention d'Atom qui semble se préparer pour une reprise de volée! J'ai rien à perdre, il reste qu'une minute. Atom frappe la balle de volée qui part comme une fusée. Elle transperce la défense d'Otomo qui reste cloué sur place. Il ne reste plus que le gardien pour arrêter ce boulet de canon. Et c'est le but! Le gardien a plongé trop tard. Ouais! Il a réussi! Il l'a marqué, Olivier! Atom l'a marqué dans la dernière minute de la première mi-temps. D'une superbe reprise de volée des 30 mètres. Cette fois, l'excellent gardien d'Otomo n'a rien pu faire. Les joueurs d'Otomo accusent de coups et dans les gradins du public, fait une véritable ovation à Atom. Ah, but pareil, on n'est pas prêt de l'oublier. Hein. Oui, peut-être, mais la chance y est pour beaucoup. L'important, c'est d'avoir marqué, non? Ils n'ont pas encore gagné. Nous ne sommes qu'en première mi-temps. Tout à l'heure, ils vont voir ce que ça donne quand je me mets à jouer. Au niveau technique, Olivier est beaucoup plus fort que moi. Et là, je ne peux plus rien faire. Mon seul secours, c'est ma vitesse de pointe. Sur le plan athlétique, je suis bien meilleur que lui. Il faut que j'en profite. Il a fait preuve de son talent en première mi-temps. À moi maintenant. Je ne dois pas rater cette occasion. Je veux gagner ce match à n'importe quel prix. Patrick! Le match va reprendre. Ouais, j'arrive. Et voici que les équipes entrent sur le terrain après s'être rafraîchies durant le repos. Je vous rappelle que le score est de 1-0 en faveur des Blancs après le splendide but d'Atom en première mi-temps. Tu ne m'arrêteras pas cette fois. Attention les gars, faut pas s'endormir. On va leur montrer de quel bois on chauffe. Début de la seconde mi-temps. Avance Patrick. L'équipe d'Otomo se rue à l'attaque, se lance de toutes ses forces dans l'action. Qu'ils me passent la balle et je vais leur marquer ce but. Le profil de la partie n'a pas changé. C'est toujours Atom qui est chargé de surveiller Everett. Et c'est peut-être ça qui donne un avantage à l'équipe de la New Team. Mais pour l'instant, la balle profite aux joueurs d'Otomo. Notre seule chance, c'est Patrick. Elle est à toi, Patrick! Jack fait une longue passe en avant à Everett. J'ai réussi à déborder Olivier. Je dois marquer. Car la balle arrive sur Everett qui la rattrape tel un acrobate. Un
incroyable. Everett, qui n'avait plus qu'à pousser la balle au fond du but, a raté son recentrage et c'est la touche. T'es minable, Everett. Elle va donc apprendre à jouer au foot. Si tu veux faire des reprises de volley, prends des leçons avec Olivier. C'est eux qui ont raison. J'ai tenté quelque chose de beaucoup trop difficile pour moi. Il n'y a peut-être qu'Olivier pour réussir ce genre d'exploit. C'est un vrai champion, lui. Mais j'essaierai jusqu'à la fin du match. Patrick! Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? S'il espère nous faire gagner le match en jouant comme ça, je nous vois mal partis. Je sais. Mais il n'y a que lui pour nous sauver. Mais Jack! C'est la seule chance que nous ayons. Ah bon? Si tu le dis... L'équipe de Dono se rue à l'attaque. Les joueurs de la Dream Team semblent débordés. Longue passe en avant de Charlie destinée à Everett qui démarquait. Splendide détente d'Everett qui frappe la balle dans la foulée. Malheureusement, son tir est un peu faible et le gardien n'a aucun mal à se saisir du ballon. Encore une action qui aurait pu être dangereuse, mais qui a échoué. Je vois mal comment Otomo pourrait remonter son score en jouant de cette façon. Everett a eu deux occasions en or qui se sont toutes deux terminées par un tir raté. Ce Patrick est terrible, je viens d'avoir une sacrée peur. Moi aussi, je voyais le ballon au fond du but. Il n'y a pas à avoir peur les filles, il n'y a aucun danger. Nous avons Olivier dans l'équipe, c'est le meilleur joueur. Vas-y Olivier, t'as le plus fort. Allez New Team. Vas-y Olivier, montre-leur de quoi t'es capable. T'es le meilleur, marque-leur un autre but. La balle est dans le camp des New Team. Ils n'ont aucun intérêt à faire accélérer le jeu. Leur but d'avance leur permet de contrôler la partie. Grâce à des passes courtes et rapides, les joueurs de milieu de terrain conservent la maîtrise du ballon sans difficulté. Les joueurs de Tomo ont du mal à s'organiser pour contrecarrer le jeu de l'adversaire. La balle arrive dans les pieds de Mason qui instantanément fait une passe latérale à destination de Diamond. Diamond avance avec la balle face à deux défenseurs de Tomo. Il fait un 1-2 avec Bruce, mais qui échoue à cause de l'intervention de Charlie, qui part en contre-attaque et profite du terrain libre laissé devant lui. Olivier, attention à Patrick! Longue passe en avant de Charlie qui a vu Everett s'élancer, suivi de préparateur qui ne le lâche pas d'une semaine. Celui-là, je le mets au fond. Everett réussit à tirer, et la balle passe très largement à côté des buts de la New Team. Tu ne m'arrêteras pas cette fois. Si je n'arrive pas à l'empêcher de tirer, il finira bien par nous marquer un but. Encore une occasion de perdre pour Everett. Le jeune avançant d'Otomo n'est pas dans un bon jour. New Team mène toujours 1-0 après 10 minutes de jeu dans la seconde mi-temps. Ce n'est pas la peine d'essayer, vous ne réussirez jamais à marquer un seul but. J'ai l'impression que le score ne changera plus maintenant. Je ne suis pas d'accord. Hein? J'ai dans l'idée que tu ne te rends pas compte d'une chose, Sam. La New Team n'arrive plus à suivre le rythme. Ouais? Everett est un futur grand champion. Il manque encore d'un peu de technique, mais au niveau athlétique, c'est vraiment le plus fort. Il a une forme exceptionnelle. Avec le temps, il ne peut que s'améliorer. Remise en jeu aux 6 mètres de Crocker, gardien de la New Team. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu voudrais nous faire croire que la New Team va perdre? Oui. Et pourquoi tu dis ça? Vous ne voyez pas qu'ils sont fatigués, qu'ils sont toujours débordés. Et puis je ne vois pas pourquoi Aton joue la défensive. Il serait plus utile à son équipe s'il se mettait en attaque. Ouais, tu as tout à fait raison. Jusqu'à présent, ils s'en sont bien sortis, mais les tirs d'Everett deviennent de plus en plus précis. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils finissent par marquer. Ce serait un coup dur pour la New Team. S'ils se retrouvent à égalité, ils auront du mal à reprendre l'avantage. Oh non! Une chose est sûre, si Patrick parvient à mettre la balle au fond, on pourra dire que le match sera terminé. La New Team réussit à contrôler les attaques d'Otomo et parvient à se rendre dangereuse dans des contre-attaques dont elle a le secret. Jusqu'à présent, le forcing d'Otomo n'a pas eu le succès espéré. Otomo réussit à contenir ses adversaires. Dommage qu'Everett soit trop isolé en attaque. Étant seul, il aura du mal à combiner quelque chose de bien. C'est vrai, mais s'ils dégarnissent leur défense, ils risquent de se prendre un deuxième but. Et là, ce serait très embêtant. Tout ça, c'est pour dire que le jeu collectif, c'est ce qu'il y a de plus important. Vous avez entendu, il a raison. Êtes-vous bien qu'il n'y a que nous, l'équipe d'Otomo, qui est un jeu collectif apte à battre ces frimeurs de la New Team. Diamond avance balotier, accompagné dans son action par Aton. Olivier,
C'est maintenant Anton qui a la balle. Vas-y, Olivier, marque-en un autre. C'est ce qu'on va voir. C'est la seconde fois que Anton abandonne sa défense pour se porter en attaque. Si je réussis à leur marquer un deuxième but, je les mets KO debout. Ça va leur mettre un sacré coup au moral. Anton avance toujours balle au pied face à la défense d'Otomo qui s'est regroupée. S'il croit qu'il va aller jusqu'au bout comme ça, il se trompe. Formidable dribble d'Anton qui passe. Bravo, Olivier, bravo. Anton profite du boulevard qui s'est ouvert pour foncer vers le but adverse. Il évite le tacle d'un défenseur et fait une longue passe en direction de Carter. Je dois faire attention, d'habitude Carter feinte à gauche et part tout de suite sur la droite. Carter avance toujours alors que Caster lui donne le passage. Ce coup-ci, feinte à droite et fait à gauche. Belle feinte de Carter qui peut maintenant aller vers les buts gardés par Garrett. Attention au centre, il y en a un qui est démarqué. Carter arrive aux 20 mètres alors qu'au centre Mason est démarqué. À toi, Zoni. Passe de Carter qui arrive dans les pieds de Mason qui donne instantanément à Diamond qui tire. Le gardien a la balle, mais il la relâche. Un défenseur se précipite et dégage. Mais la balle est tournée vers Mason. Carter tire dans la foulée. La balle est renvoyée par le poteau droit et va sortir en touche. Non, Rami réussit à la sauver sans. La balle s'élève du dessus de la défense. Tête de Diamond renvoyée par la défense. Récupérée par Kozli qui feinte, mais il ne réussit pas à passer. Il conserve la balle. Les deux joueurs sont face à face. Aucun d'eux n'a le dessus. Si, Gilbert réussit à dégager. Tire de Diamond est formidable. Ouais, bravo, bien plongé, Simon. Bon sang, je croyais qu'il y était, celui-là. Moi aussi, ça aurait été le but de la victoire. Le gardien c'est est très fort. C'est comme ça qu'ils réussiront à gagner, c'est les tirs de fillettes. N'importe quel gardien réussira à stopper ses balles molles. Même Garrett, c'est pas peu dire. À part Anton, aucun joueur n'est assez grand buteur chez les New Team. Ils ne risquent pas d'inquiéter leur gardien. Tu as compris ce qu'il vient de te dire. Tu peux être fier de son avis, il s'y connaît. Oh mon Dieu, Olivier. La New Team a manqué l'occasion de creuser l'écart et de prendre une option sur la victoire. L'action était bien menée, mais Otomo a un excellent gardien. Mais le jeu a repris. Je ne peux pas passer la balle à Patrick. Il est nettement hors jeu. Passe de Maurice pour Carter qui part le long de la touche. Il a le terrain dégagé devant lui et il en profite pour monter. Attention, il va repiquer au centre. Caster poursuit son action et va se retrouver face à deux défenseurs. Il jette un coup d'œil et repique la main vers le centre qui finit dans les pieds de Boris. Attention, elle est pour toi, Patrick. Donc passe en avant de Boris sur Everett, toujours marqué par Anton. Il n'y a qu'une solution, la reprise de volée. Il est trop rapide pour moi, je vais être débordé. Attention, Olivier. Si je n'arrive pas à l'empêcher de tirer. La passe de Boris était au millimètre. Formidable tir d'Everett repoussé de la main par un défenseur, c'est le pénalty. Le coup de sifflet de l'arbitre confirme, mais fait signe qu'il y a coup franc, le défenseur étant hors de la surface de réparation. C'est une bonne occasion de marquer. Il m'avait bien semblé en effet que Warmer avait touché la balle de la main et l'arbitre n'a pas hésité à siffler la faute. Le coup franc est à 20 mètres environ des buts de la New Team. L'équipe de Togo a là une occasion en or de revenir à la marque. Je vais enfin pouvoir essayer mon tir du faucon. Les joueurs attendent le coup de sifflet d'arbitre. Le mur de la New Team est en place et très compact. Faites attention, les gars, serrez-vous. T'en fais pas, Olivier, si j'en vois un qui s'écarte, il aura affaire à moi, t'inquiète. Mon Dieu, aide-les, fais en sorte qu'Otomo ne marque pas. Olivier, je t'en prie. Otomo va sûrement égaliser. Oh, ça, c'est pas vrai. Oh. Ça y est, Patrick, t'es prêt? Ouais. Toute l'équipe fait le mur. Ça ne sera pas facile pour Patrick de nous marquer ce but. Enfin, je l'espère.
Olivier, j'ai peur qu'il arrive à passer. Placé comme il est, il peut marquer le but. Tu as raison, mais ne t'en fais pas, il ne réussira pas à le faire rentrer. Evan se met en place pour tirer ce coup franc. Nous sommes à la 12e minute de la seconde mi-temps et la New Team mène encore par 1-0. Vas-y, Ella! Maurice et Evan partent ensemble. Lequel des deux va tirer? Qu'est-ce qu'il faut? À première vue, c'est Maurice qui va tirer. À toi, Patrick! Ah non, il donne la balle à Evan qui arrive derrière lui à pleine vitesse. Formidable coup de pied d'Everett. Envoyé par le mur de la Bien joué, Bruce, tu l'as raté. Le ballon revient vers Everett. Cette fois, je le marque. Il y a un trou dans le mur de la New Team. Everett va sûrement tenter d'envoyer la balle par là. Relève-toi, Bruce, vite. Ouais, vas-y, Patrick, tire de toutes tes forces. Il ne faut pas qu'il marque. En pleine course, Everett tape la balle avec une violence incroyable. Non, c'est pas possible qu'il réussisse à l'arrêter. Atone, en prenant appui sur le poteau, réussit à intercepter le ballon de la tête. C'est incroyable. Comment il a fait? Une nouvelle fois, Otomo est passé à côté de l'égalisation. La balle repoussée par Atone va vers le centre du terrain. Ah, c'est pas possible, mon tir du faucon a encore échoué. J'étais sûr que cette fois, Patrick allait égaliser. C'est vraiment dommage pour eux. Cours, Paul! Dépêche-toi, va récupérer le ballon! T'en fais pas, je vais la voir, Olivier! Attention, faut se regrouper en défense! Cleve, Brian, essayez d'intercepter Diamant! Diamant se lance à la poursuite du ballon! Il faut que j'arrive le premier, il le faut! Les trois joueurs sautent ensemble pour récupérer le ballon! Mais c'est Diamant qui saute le plus haut et qui envoie le ballon sur Atom! Contrôle d'Atom qui poursuit son attaque! Nous n'y arriverons jamais. Reprenons nos positions en défense. Oui, vas-y, Olivier, fonce. Il va marquer le but. Après avoir sauvé son équipe, c'est encore Atom qui mène la contre-attaque. Olivier, plus rapide que vous, vous réussirez jamais à le rattraper. Atom est poursuivi par l'équipe d'Otomo qui s'est trouvée complètement désorganisée après le coup franc raté. Même si la New Team est bouchée double, le match peut être considéré comme fini. La situation est critique, mais pas désespérée. C'est vrai, Olivier est plus fort que nous, et il nous l'a bien démontré. Vas-y, Jack. Mais ça ne nous fait pas peur. Au contraire, ça va nous obliger à lutter jusqu'à la fin du match. Même si ce sont eux qui gagnent aujourd'hui, un jour viendra où nous nous rencontrerons à nouveau, et là, nous leur montrerons de quoi nous sommes capables. Nous avons peut-être sous-estimé Olivier, et c'est cette erreur qui va nous coûter le match. Ne vous découragez surtout pas, les gars, on les aura. Attaquez Atom et prenez-lui la balle, foncez! D'accord. Compris. T'en fais pas. On va les arrêter. Attention à toi. Je vais lui montrer qui je suis. Nous atteignons la moitié de la seconde mi-temps et la New Team semble avoir pris le jeu à son compte. Atom est en bonne situation pour aggraver la marque. Faut que je me débarrasse de ces quatre-là. On va voir si tu vas me passer aussi facilement que ça. Custer va essayer d'arrêter la course d'Atom. Formidable lob d'Atom qui laisse Custer cloué sur place. Il a fait là une grande prouesse technique. Ça ne sera pas aussi facile avec moi, Olivier, ça je peux te le garantir. C'est au tour de Taylor de se présenter devant Atom, et c'est avec le même geste technique qu'il se débarrasse avec facilité de ce deuxième adversaire. Quel joueur! C'est pas vrai! Ça, c'est ce que j'appelle jouer au football. Atom est déchaîné! Il se joue de ses adversaires avec une essence incroyable! Oh, ça suffit maintenant! C'est maintenant Taylor qui essaie d'arrêter la course d'Atom. Bravo! Champion! Rien à faire, même Taylor a été trompé par l'agilité du numéro 10 de la New Team. Personne ne semble en mesure d'arrêter ce grand joueur. Il ne passera pas. S'il réussit à effacer le dernier défenseur d'Otomo, Atom aura le champ libre pour aller droit au but.
Il faut que tu y arrives. S'il me passe, on est fichu. Vas-y, arrête-le. Dépêche-toi, Olivier. Boris, dribble, bien décidé à ne pas laisser passer Atal. Il court tous deux vers le ballon. Cela ressemble presque à un duel. Les deux adversaires se jettent sur la balle en même temps. Du capitaine Otomo, Léaton Roussiès qui fait son attaque. Quel choix fantastique. Et voilà, c'est fait. Arrêtez-le, il va marquer. Je le fiche par terre. C'est juré, je le fiche par terre. Ce coup-ci, il passera pas. Il ne faut pas qu'il tire, il ne faut pas qu'il tire. Si j'anticipe sur eux, je pourrais tirer tranquillement. Ils sont maintenant rués sur Atoll. Mais le capitaine de la Nutrim réussit quand même à tirer. Simon! Simon! Arrête-la! Ne laisse pas passer! Le tir d'Atoll est parti comme un boulet de canon. Le gardien de Tomo, d'une magnifique détente, bloque la balle. Quelle belle intervention! Ah, il a réussi! Bravo, Simon! Il est génial! Une chance pour Otomo qu'ils aient un bon gardien. C'est dommage, après une si belle action, Olivier méritait de marquer le but. Le joueur de la Otomo avait l'air mauvais. Comment cela va-t-il finir? C'est pas pour me vanter, mais j'ai fait une belle parade. Qu'est-ce que t'attends? Envoie la balle! Ouais! Oh mon Dieu, non! Ah! La balle est renvoyée par Garrett en direction de Maurice. À toi, Patrick. Il regarde autour de lui, fait une longue passe à Everett et démarre au milieu du terrain. C'est une des dernières occasions pour Otomo de pouvoir revenir à la marque. Everett se lance à toute enjambée vers le point de chute du ballon. Atoll, resté en attaque, ne peut l'intercepter. Le match est presque fini. Je n'ai pas de temps à perdre. Olivier est loin. Rien ni personne ne pourra m'empêcher de marquer. Je dois réussir. La Otomo doit gagner. Toujours en temps.